Pour réaliser de délicieux sushis et maki, il te faut 20 cl de riz à sushi, 30 cl d'eau, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sel et 2 de sucre, 2 pavés de saumon congelé pour éviter les bactéries, quelques feuilles de nori, une natte de bambou et un concombre. Pour commencer, mets le riz dans une passoire et nettoie-le avec de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle ne soit plus trop bouillie. Ensuite, fais cuire le riz avec l'eau jusqu'à ce que celle-ci soit complètement absorbée. Pendant la cuisson, mélange le sucre et le sel avec le vinaigre de riz. Coupe un morceau de concombre de la taille d'une demi-feuille de nori, épluche-le et fais-en des bâtonnets. Coupe également le saumon en bâtonnets pour faire des makis ou en rectangles pour faire des sushis. Maintenant que le riz est cuit, asperge-le de vinaigre de riz. Mélange bien le riz avec le vinaigre de riz et transfère-le dans un bol pour qu'il puisse refroidir. Pour les sushis, forme une boule de riz dans le creux de ta main, puis forme tes sushis. Pour rouler un maki, pose une feuille de nori sur ta natte de bambou. Ajoute-y d'abord le concombre, puis le saumon. Et enfin, le riz. Aide-toi de la natte pour rouler les makis. Ajoute un peu d'eau sur les bords pour refermer les makis. Il ne reste plus qu'à découper les makis. Bon appétit !